un système de bardage rapporté ventilé, réalisé avec des plaques en mortier fibré très haute performance, qui permet donc de proposer une solution dépolluante. Là, on utilise le système Vetisol-Veticlip, qui permet à l'architecte de s'exprimer d'une façon très large, sans limite, à la fois au niveau de la forme des plaques, de la disposition des plaques dans l'espace, donc soit d'une façon classique en 2D, soit éventuellement en 3D, comme sur ce chantier. Ah, c'est un chantier qu'on est en train de faire en bardage. Ce n'est pas le premier qu'on fait, en 3D c'est le premier, mais avec ce système-là, c'est déjà plusieurs qu'on fait avec le même fournisseur. Ah, on utilise les bétons en fibre là, qu'on est en train de mettre sur une ossature métallique. On raille avec de la laine de verre derrière. C'est un système de fixation très simple, à base d'agrafe. Sur ce chantier, on a des plaques lisses blanches, donc c'est la couleur de base du produit. Mais on peut tout à fait donc colorer à base de pigments minéraux de ces plaques, voire de les matricer pour donner du relief. La dépollution fait appel au concept de la photocatalyse qui est liée donc à la présence d'ultraviolets dans la lumière du jour. Donc ce sont ces ultraviolets qui vont détruire les polluants générés par les moteurs thermiques, en l'occurrence les moteurs de voiture. Donc c'est un concept très intéressant. Donc ce système de bardage rapporté se prête à tout type de support. Support béton, comme c'est illustré sur ce projet. Ça peut être également des maçonneries, mais ça peut être également des structures en bois, voire structures métalliques. E-Design et Fix Architecture s'adaptent à tout type de système de bâtiment, de la maison d'habitation, au logement collectif, au tertiaire, voire aux bâtiments à usage commerciaux ou bâtiments publics en général. E-Design et Fix Architecture est particulièrement intéressant car il est classé Q4, donc meilleur classement au choc. E-Design et Fix Architecture supportent tout type de traitement de surface, type lasure, type anti-graffiti, utilisé classiquement pour les bétons architectoniques. Le partenaire industriel qui fabrique ces panneaux a son site certifié, situé à Redon, en Bretagne. Donc ce système de bardage rapporté permet à l'architecte de personnaliser sa façade, donc aussi bien au niveau du soubassement qu'au niveau de l'entièreté de l'habillage du bâtiment. En 3D, c'est vraiment les flèches qui sortent, qui rentrent, c'est ça qui donne la beauté à ces panneaux-là. Et franchement, je pense que ça fait un bon chantier.